thank we, all our God, with hearts and voices, who wondrous things has done, in whom his world rejoices, who from our mother's arms hath blessed us on our way with countless gifts of love, and still is ours today. Oh, may this bounteous God to all our life be near us, with ever joyful hearts and blessed peace to cheer us, and keep us in his grace, and guide us when perplexed, and free us from all ills in this world and the next. All praise and thanks to God, the Father, now be given. The Son and him who reigns with them in highest heaven, the one eternal God, who earth and heaven adore, for thus it was, is now, and shall be evermore. We'll now sing in French. Maintenant, on va chanter en français. Un et chant. Louons le Créateur, chantons à Dieu louange, et joignons notre voix au concert des saints anges, dès les bras maternels, il nous a protégés, et jusqu'au dernier jour, il est notre notre Dieu, que notre vie entière, tous nous vivions joyeux sous le regard du Père, qui nous tient en sa grâce, qui nous guide toujours, garde du malheur par son unique amour. De ce Dieu trois fois saint qui règne dans sa gloire, chrétiens, empressons-nous de chanter la victoire. Son royaume est aux cieux, où plein de majesté, il règne, sa vraie Dieu de toute l'éternité. Praise the Lord. Amen. Please, Sister Odette. Odette, is Odette there? Not yet. Christophe, come and take this. Praise the Lord. Amen. We'll continue. Nous allons continuer.
We'll read John chapter 14. Nous allons lire Jean chapitre 14. It was the Lord talking to his disciples. Dans ce passage, c'est le Seigneur qui parlait à ses disciples. This was a very intimate occasion. C'était un moment très intime. It was not open to everybody. Ce n'était pas ouvert à tout le monde. It was for his disciples. C'était pour ses disciples. And it's open to us today. Et il nous est ouvert aujourd'hui. If we are his disciples. Si nous sommes ses disciples. If not, it'll just be stories, difficult things. Sinon, ça sera juste des histoires, des choses difficiles, une tâche ardue. In chapter 14, we'll start from. Nous allons commencer au chapitre 14, verse 15, au verset 15. If you love me, keep my commands. That's verse 15. Si vous m'aimez. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. If you don't love me, we're adding bon, it now. Si vous, nous on ajoute maintenant. Si vous ne m'aimez pas, don't keep my commands. Ne gardez pas mes commandements. In order to keep a command, pour pouvoir garder un commandement, you put your own will aside and you do the will of the next tu mets person. Ta propre volonté de côté et tu exécutes la volonté de la personne qui te l'ordonne. We take the example of a child. Prenons l'exemple d'un enfant. A child wants to go and play. Un enfant veut aller jouer. His friends are all praying, ses amis sont dehors en train de jouer. You tell him, come and wash the dishes. Tu lui dis, viens laver les assiettes. Or, come and go on this errand for me. Ou bien, viens, je vais t'envoyer faire telle course pour moi. He has a choice. Il a un choix. To put aside what you've asked and go and play. De mettre de côté ce que tu as demandé et aller jouer. Or, ou alors, to abandon his playing which he really loves and want to do in order to do what you want. Ou alors abandonner le jeu qu'il aime vraiment, qu'il veut aller faire pour faire ce que toi tu veux. That is obedience. Ça c'est l'obéissance. Don't pray that God will give you a heart of obedience. Ne prie pas pour que Dieu te donne un cœur obéissant. Just obey. Obéis simplement. If you are telling God, sinon tu es en train de dire à Dieu, you're asking me to do what I cannot do. Tu es en train de me demander de faire ce que je ne peux pas you faire. Are a wicked God. Tu es un Dieu méchant. You are asking me to do what I cannot tu es en train de me demander de faire ce que je ne peux pas faire. Okay. So obedience is a choice. Donc l'obéissance c'est un choix. It's a testimony. C'est un témoignage. To you. Qui est rendu à toi. To the Lord Jesus. Au Seigneur to Jésus. The Father, et au Père. To angels, aux anges. To Satan, à Satan. To demons, aux démons. And to the brethren, et aux frères. That you love the Lord Jesus Christ. Témoignage disant que tu aimes le Seigneur Jésus Christ. If you love me, si vous m'aimez, keep my commands. Gardez mes commandements. Verse 16. Verset 16. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of Truth. Okay, continue verse 17. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. You obey. Tu obéis. The Lord prays the Father. Le Seigneur prie le Père. He asks the Father for something il demande special. Quelque chose de spécial au Père. You don't obey. Tu n'obéis pas. You block the Lord from asking something from the Father. Tu empêches le Seigneur Jésus de demander quelque chose pour toi au Père. And I will ask the Father and he will give you another advocate to help you and to be with you forever. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verse 17. The Spirit of Truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point.
Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verse 18. I will not leave you as orphans. I will come to you. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me, because I live, and you also will live. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. On that day you realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Verse 21. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Fons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Amen. Amen. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles ou mes enseignements. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Praise the Lord. Amen. The Father, le Père, the Son, le Fils, the Holy Spirit, le Saint-Esprit. Obedience to the word of God would build a relationship with them. Notre obéissance à la parole de Dieu va bâtir notre relation avec eux. That's in summary what he's saying. Voilà en résumé ce que le Seigneur est en train de dire dans ce passage. So obedience is a school. Donc, l'obéissance est une école. As you grow in that school, pendant que tu grandis dans cette école, you possess something. Tu possèdes, tu prends possession de quelque chose. You grow in intimacy with God. Tu grandis dans l'intimité avec Dieu. So obedience from this passage. Donc à partir de ce passage, obedience is a way to grow in intimacy with the Lord. L'obéissance est le moyen pour grandir dans l'intimité avec le Seigneur. When you are close to somebody, quand tu es proche de quelqu'un, that is you are intimate, not just physically. Quand tu es proche, pas proche juste physiquement, mais que tu es intime avec quelqu'un, the person can tell you his secrets. La personne peut te dire ses secrets. And you will just know what the person wants. Et tu vas juste savoir ce que la personne veut. Some people have to scream and scream before they even know what you want. Tu dois crier, gronder avant qu'elle ne sache ce que tu veux. The Lord says, le Seigneur dit, if you love me, si vous m'aimez, keep my commands. Gardez mes commandements. If you love me, si vous m'aimez, keep my commands. Gardez mes commandements. And the Bible says, et la Bible he dit, has given us everything that we need in order to live a holy life and a life that pleases God. Et la Bible dit qu'il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de piété, une vie qui plaît à Dieu. Not to obey, ne pas obéir, is to testify, c'est rendre témoin, c'est déclarer that you don't, either you don't believe, que you don't belong, soit tu ne lui appartiens pas, or ou alors you don't love him. Tu ne l'aimes you love pas. The privileges, tu aimes, what he does. Tu aimes les privilèges qu'il t'apporte. But his person you don't love. Mais tu n'aimes pas sa personne. His ways you don't love. Tu n'aimes pas ses voies. You don't love his work. Tu n'aimes pas son œuvre. It's good that we be true now. C'est bien qu'on soit vrai, n'est-ce pas? We should tell God. On doit dire à Dieu. He says, il dit, if you love me, si vous m'aimez, keep my commands. Gardez mes commandements. Then, in verse 24, et au verset 24, he says, il dit, anyone who does not love me will not obey my teaching. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, mes these enseignements. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Ces paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. I just take the example of our evangelism. Je prends l'exemple de notre évangélisation. You go out to evangelize. Why? Tu sors évangéliser. Pourquoi? The command that God gave us. C'est l'ordre que Dieu nous a donné. Go le commandement que Dieu nous a donné. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Go and make disciples of all. Allez et faites de nations. Toutes les nations des disciples. So you go out. Donc tu sors. You preach to somebody. Tu prêches l'évangile à quelqu'un.
The person repents. La personne se repent. And the person believes. Et la personne croit. Right? You N'est-ce tell pas? Him now that you have repented. Tu lui dis maintenant que tu t'es repenti. And you've given your life to the Lord. Et que tu as donné ta vie au Seigneur. You have eternal life. Tu as la vie éternelle. Is that not true? Est-ce que c'est vrai? Right? C'est vrai, non? Are the words your words? Les paroles que tu lui dis là, est-ce que ce sont tes propres paroles? They are the words of God. Ce sont les paroles de Dieu. You have brought to him the words of tu God. Lui as apporté les paroles de Dieu. He believes. Il a cru. And God accomplishes in his life et what God said your words will do. Il croit et Dieu accomplit dans sa vie ce que Dieu dit que tes paroles là vont faire. You can also say, tu peux aussi dire, and we've said it many times, nous l'avons dit plusieurs fois, you don't want to believe. Tu ne veux pas croire. You will go to hell. Ok, tu vas aller and en enfer. Tu ne veux pas croire. Tu vas aller en enfer. Et tu es responsable. Because you have rejected God's offer. Parce que tu as rejeté l'offre de Dieu. Is it true? Est-ce que c'est vrai? We are speaking in whose name? Nous parlons au nom de qui? In the name of the Lord who sent us. Au nom du Seigneur qui nous a so envoyés. The Lord is saying, donc le Seigneur est en train this de dire words that I've given, ces paroles que j'ai données that if you love me, you keep my commands. Disant si vous m'aimez, gardez mes commandements. It's not me. C'est pas mes paroles. It's the Father. C'est les paroles du Père. The Father has sent me. C'est le Père qui m'a envoyé. And I'm telling you what he has said. Et je suis en train de vous dire ce qu'il a dit. So you obey. Donc vous obéissez. He was speaking here to his disciples. Le Seigneur s'adressait ici à ses disciples. Discipleship is not is it stagnant? It's not something that is done once and for all. Le être disciple, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois pour toutes. No, you do it once for all. You decide to be a disciple. On décide d'être disciple by obedience. Par l'obéissance. And you grow. Et on grandit. By obedience. Par l'obéissance. And you grow. Et on grandit. And you grow. Et on grandit. And you grow. On continue There's à grandir. No limit. Il n'y a pas de limite. So it's not something say, okay, I did it in 2020, that's enough. Donc tu peux pas dire, oh, je l'avais fait en 2020, ça suffit. It is enough, but you must grow. Ça suffit, mais il faut que tu grandisses. A child who goes to school in the first year in primary school. Un enfant qui va à l'école à la première année au primaire. He has gone to school. Il est allé à l'école. If after the end of the year he drops out. Si après l'année, si à la fin de l'année il échoue, on le renvoie. Not that he échoue. He says he abandons. Ah d'accord. Si à la fin de l'année, il abandonne l'école sans même être renvoyé, will he go around boasting that he has been to school? Est-ce que il va se vanter partout qu'il a été à l'école? 15 years afterwards, 15 ans plus tard, he's ill. Il est malade. He goes to the hospital. Il va à l'hôpital. And he meets a person with him he was sitting on the same. Il rencontre son camarade de banc, celui qui était son camarade de banc à l'école. The person is a medical doctor. Il est déjà un médecin. And he is still there with his first year in primary school. Et lui il est encore là avec son CEPE au primaire. What was the difference? La différence était quoi? One entered school, continued the obedience required. Un est entré à l'école. The problems, the difficulties. Un est entré à l'école et il a continué avec l'obéissance requise. Il a confronté les problèmes, les difficultés. And he continued. Et il a continué. And he continued. Et il a continué. And he continued. Et il a encore continué. And the stress of going to school, studying. Et il a accepté le stress d'aller à l'école, d'étudier. And he has become something. Et il est devenu quelque chose. That is the difference between the two. Ça, c'est la différence entre les deux. But as we said, 2 days ago, mais comme on a dit il y a 2 jours, the Lord wants lovers. Le Seigneur veut des amoureux. He wants people who love him. Il veut des gens qui l'aiment. Obedience, l'obéissance, is a result of loving c'est the Lord. C'est le résultat d'aimer le Seigneur. Praise the Lord. Gloire à Dieu. She's on a long fast. Elle est dans un long jeûne. So sleep come and donc, catch her. Le sommeil la prend. But she needs to hear. Comme vous connaissez, mais elle a besoin d'entendre ce qu'elle est venue entendre ici. If you love me, si vous m'aimez, you keep my commands. Gardez mes commandements. He also said in some place, il a aussi dit par ailleurs, the one who loves me is the one who keeps my commands. Celui qui m'aime, c'est lui qui garde mes commandements. It's emotions, we can all have them. Les émotions, nous pouvons tous les avoir. God is very cold-headed. Dieu a la tête très froide. If you love me, il dit, si vous m'aimez, keep my commands. Gardez mes commandements. Very simple. C'est très simple. And I will ask the Father, et je demanderai au Père, so obedience is a proof that
We love the Lord. Donc l'obéissance est une preuve que nous aimons le Seigneur. And it's the way to obtain the spirit-filled life, the baptism into the Holy Spirit and the spirit-filled life day after day. Et c'est un moyen d'avoir le baptême dans le Saint-Esprit et la vie remplie de l'Esprit jour après jour. In Acts, I think it's chapter 5. Dans Actes de Corinthe chapitre 5, the Apostle Paul says, l'apôtre God Paul gives dit the Holy Spirit to those who obey him. Que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. So you have the Holy Spirit is given to those who obey the Lord. Donc le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent au Seigneur. Verse 21, the Lord says, verset 21, le Seigneur dit, whoever has my commands, quiconque garde mes commandements. In English, he has them and keeps them. Okay. Quiconque a mes commandements, c'est ça. Quiconque, celui qui a mes commandements et qui les garde, is the one who loves me. C'est lui qui m'aime. The one who loves me will be loved by my Father. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. And I too will love them. Je l'aimerai aussi. And I will show myself to them. Et je me ferai connaître à lui. Who is responsible to look for the commands? Qui est responsable de chercher les commandements? He said, "He who has my commands." Il dit celui qui a mes commandements. When you don't read through your Bible, quand tu ne lis pas ta Bible, how will you know the commands? Comment auras-tu les commandements du Seigneur? You've eliminated yourself by ignorance. Tu t'es éliminé par l'ignorance. For those who can read. Pour ceux qui sont capables even de lire, read, même ceux qui ne peuvent pas lire, we are in an age where, in an epoch, in an era where they have the audio Bible. We have. Nous sommes dans une période où il y a toutes sortes de gadgets. La Bible audio est disponible. Tu peux au moins écouter. You have children or neighbors or people in the church who can read the Bible for you. Tu as des enfants ou des voisins ou des gens dans l'église qui peuvent lire la Bible pour toi. When I was growing up, quand je grandissais, many of the people of my mother's age were not educated. Plusieurs des personnes qui avaient l'âge de ma mère n'étaient pas éduquées. But they would look for an educated person. Mais elles cherchaient une personne éduquée. And say, I want to write a letter to my child who is in Limbe, for example. Et disaient, s'il te plaît, je vais écrire une lettre à mon enfant qui est, par exemple, à Limbe. You come with a paper and a pen. Tu viens avec du papier et un stylo. The person speaks to you in the dialect. La personne te dit en dialecte ce qu'elle you veut. Write. Tu écris. You write. Tu écris. You write. Tu écris. Then you read it to him. Et tu lui lis ce que tu as écrit. Then he say, oh, I forgot this. Add this one. Et puis il te dit, oh, j'ai oublié telle chose. Ajoute ceci. And the letter is sent. Et la lettre est envoyée. And the child receives the letter. Et l'enfant reçoit la lettre. And replies. Et il te répond. And this person reads again to the et quand parents. Tu reçois la lettre, tu appelles encore ton enseignant là, qui te lit la lettre. At least that's how I saw them do it. C'est ça que j'ai vu faire. So if you say you cannot read, donc si tu dis que tu ne peux pas lire, in this age, en cette in this période, time, en ce temps-ci, we have more educated people around us, children, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui sont éduquées, les enfants, les parents, sit and read the Bible to qui you. Seront très contents de venir s'asseoir et de te lire la Bible. At one time, we had some illiterate people who came for the World Universal Prayer and Fasting. À une période, il y avait des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, qui sont venues à l'UMPJ. We read the Bible to them. On leur lisait la Bible. We gave them, we created their group. On a Bible? Créé un groupe à part pour eux. We were teaching on dynamic encounters. On était en train d'enseigner sur les rencontres dynamiques. When we read, quand on lisait, or the person was supposed to read, quand la personne qui était censée lire, then they asked them to respond to God in prayer. Après avoir lu, on leur demandait de répondre à Dieu dans la prière. And they really encountered God. Et ils rencontraient vraiment God Dieu. Spoke to them. Dieu leur parlait. So the capacity not to read the Bible, or the fact that you cannot read is no excuse. Le fait que tu ne peux pas lire, tu ne sais pas lire. N'est pas une excuse. But those who can read, mais ceux qui peuvent lire, the Lord expects you to have his commands. Le Seigneur s'attend à ce que tu aies ses commandements. So as you're reading, donc pendant que tu lis, his commands will pop up. Ses commandements vont jaillir. He'll just show you, you always avoid this person because you have not forgiven the person. Il va te montrer par exemple que tu évites cette personne parce que tu ne lui as pas pardonné. Or, you are afraid of encountering this person because each time you meet him is problem on problem. Ou bien il va te dire, tu as peur
de rencontrer cette personne parce que chaque fois que tu la rencontres, c'est des problèmes et des problèmes qu'elle t'apporte. He will tell you this has gone wrong, that has gone wrong. Elle te dit, oh, j'ai eu tel problème, telle chose a mal tourné. So when you see him coming, you go this way. Donc quand tu le vois venir, tu pars, reviens t'asseoir, s'il te plaît. Avoided anyway. Il y a des personnes qu'il faut éviter en tout cas. Or, you are avoiding this person because you don't want to carry his need. You see that he has a need. Ou alors tu évites quelqu'un parce que tu vois qu'il a un besoin, mais tu ne veux pas l'aider. So the person comes at a time he has said to say, okay, the Lord bless you. I'm rushing to go to class. I'm already late. Donc la personne arrive à peine elle veut ouvrir la bouche, tu dis, le Seigneur te bénisse, je cours, je suis en retard, je vais en classe. And you've forgotten. Parce qu'en réalité, tu es en train de l'éviter et tu oublies. As you're reading the Bible, pendant que tu lis la Bible, the Lord brings up that situation. Le Seigneur ramène cette situation That's en a surface. Specific command that you can obey. Là, c'est un commandement spécifique auquel tu peux obéir. Si tu n'étais pas en train de lire la Bible, tu pourrais ne même pas y penser. Whoever ou voir has cela. My commands and keeps them is the one who loves me. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. The one who loves me. Celui qui m'aime will be loved by my father. Sera aimé de mon Père. I too will love them. Moi aussi, je l'aimerai. And show myself to et them. Je me ferai connaître à lui. So by obedience to the commands of the Lord. Donc par l'obéissance au commandement du Seigneur, you obtain revelations of Jesus. On obtient les révélations de Jésus. Most of us have stopped our knowledge of Jesus at salvation, the one who forgives our sins. La plupart d'entre nous ici, on a arrêté notre connaissance du Seigneur au salut, le fait qu'il pardonne nos péchés, il nous sauve et il nous guérit. He does things for us. Il fait des choses pour nous. Have you grown in your knowledge of Jesus as shepherd? Mais est-ce que tu as grandi dans ta connaissance de Jésus en tant que berger? As Lord, en tant que Seigneur? As a servant of the Father, en tant que le serviteur du Père? Special revelations. Revelations of Jesus are given to those who keep his commands. Les révélations de Jésus sont données à ceux qui gardent ses commandements. Then a special relationship with the Lord Jesus also. Et aussi with the Father. Une relation spéciale avec le Père. The one who loves me will be loved by my Father. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. We are striving to be loved by this leader, by this disciple, by this disciple maker. On lutte pour être aimé. Par ce faiseur de disciples, aimé par ce dirigeant, aimé par cette personne ou l'autre. But look at the chacun se bat pour être aimé. Whoever has my commands. Mais regardez la promesse du Seigneur. Celui qui a mes commandements et qui les garde, is the one who loves me. C'est celui qui m'aime. Benefits. Bénéfices. The one who loves me will be loved by my Father. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. A special love of God as Father. Un amour spécial de Dieu en tant que père. You know, some of us come from big families. Certains d'entre nous sont originaires de grandes familles. The parents don't relate the same to all the children. Les parents n'ont pas la même relation avec chaque enfant, n'est-ce pas? Right. N'est-ce pas? There are some children who have won the hearts of the parents. Il y a certains enfants qui ont gagné le cœur de leurs parents. Because of their obedience. À cause de leur obéissance. Except corrupt parents who just say this child is so beautiful, so handsome, so educated or so bright that I love him more than the others. Sauf pour les parents corrompus qui se disent bon, mon enfant c'est le plus intelligent donc je l'aime plus que les autres. Ou bien ma fille c'est plus jolie que les autres donc je l'aime plus que les autres. Ça c'est des parents corrompus. But generally, mais de façon générale, the children who obey their parents are the ones who are closest to the parents. Les enfants qui obéissent à leurs parents sont ceux qui leur sont le plus proches. So there's a special love that the father will give those. Donc, il y a un amour spécial que le Père va témoigner aux enfants qui gardent les commandements du Seigneur. The one who loves will be loved by my Father. Celui qui m'aime sera aimé de And mon Père. I too will love them. Et moi aussi, je l'aimerai. Special love. Un amour spécial cette fois. And show myself to them. Et je me ferai connaître à lui. If you want to pray, pray. Si tu veux prier, prie. In buying and selling, quand on achète, selling and buying, quand on achète et revend, that is, I come to buy something. C'est-à-dire, je viens pour acheter quelque chose. You sell it to me. Tu me vends la chose. There's always an exchange, right? Il y a toujours un échange, n'est-ce pas? You love the thing more than you love your money. Tu aimes la chose
plus que tu n'aimes l'argent. Ton argent. Toi qui viens acheter. Oui. Tu aimes ton argent, n'est-ce pas? Mais tu aimes la chose que tu veux acheter plus que l'argent, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu donnes. Money away, donc tu donnes ton argent, tu te sépares de ton argent. Tu te sépares de ton argent pour prendre cette chose que tu considères précieuse. Obedience. L'obéissance. Is giving away something in order to have more of God. C'est donner quelque chose pour avoir plus davantage de Dieu. When you pour avoir davantage de when Dieu. When you go to the market. Quand tu vas au marché. Or to the shop. Ou à la boutique. You see a pair of shoes. Tu vois une paire de chaussures. You want to buy it. Tu veux l'acheter. You are told it's 35,000. On te dit qu'elle coûte 35 000 francs. You look at it. Tu regardes. Say, ah, is it worth the trouble? Tu dis, ah, est-ce que ça vaut même mes 35 000? You love your money more than you love the là, shoes. Tu aimes ton argent plus que tu n'aimes la chaussure que tu laisses là. Right? N'est-ce pas? But if you really want the shoes, mais si tu veux vraiment la chaussure, if you only came to the market with 30,000, si tu n'es venu au marché qu'avec 30 000 francs, you will go and look for five. Tu vas aller chercher les 5 000 francs you qui manquent give the seller, pour venir donner au vendeur and you take the shoes, et tu prends la chaussure and you are very happy. Et tu es très contente. N'est-ce that's, pas that's what the Lord is saying here. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. The one who loves will be loved by my Father. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. And I too will love them and show myself to them. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Jesus replied. Jésus lui répondit. Anyone who loves me will obey my teaching. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mes enseignements. My Father will love them. Et mon Père l'aimera. And we will come to them. Nous viendrons à lui. And make our home with them. Et nous ferons notre demeure chez lui. We want that every home where there are believers. Nous voulons que chaque maison où il y a des croyants would be a home, a dwelling place for the Lord. Soit une demeure, un lieu où le Seigneur demeure. The Lord says, "He who has my teaching." Le Seigneur dit, celui qui a mes paroles, and obeys mes them, enseignements et obéit. My Father will love them. Mon Père l'aimera. Another type of love. Voilà encore un autre genre d'amour. A higher love. Un amour plus élevé. And we will come to them. Et nous viendrons à and lui. Make our home with them. Et nous ferons notre demeure chez lui. The believer, le croyant, will have the Father and the Son and the Holy Spirit in a special way. Aura le Père, le Fils et le Saint-Esprit d'une manière spéciale. He will always bring them along. Il va toujours les avoir avec lui. He comes to a meeting. Il vient à une réunion. He prays. Il prie. And people are lifted up to touch. Et les gens sont élevés pour toucher Dieu. Why? Pourquoi? God is dwelling with them. Parce que Dieu demeure God avec want lui. To dwell with Dieu, every child Dieu veut of God. Demeurer avec chaque enfant de Dieu. If we want it, si nous voulons cela, what we exchange it with is obedience. Ce que nous devons donner en échange de cela, we give c'est l'obéissance. Nous donnons l'obéissance and God, et nous avons la présence spéciale du Père, du Fils et du Saint-Esprit we'll avec nous. On va Old voir Testament. deux exemples dans l'Ancien Testament. This first one is the story of Joseph. La première, c'est l'histoire de Joseph. Persecuted, almost killed, sold as a slave. Persécuté, qui a été persécuté, qui a failli être tué et qui a été vendu comme un esclave. A future unknown. Avec un avenir incertain, from inconnu. The glory of being a beloved child to being a slave. Il était parti de la gloire d'avoir été le fils bien-aimé, le fils chéri de papa, à devenir maintenant un esclave. Verse 2 of Genesis chapter 39. Genèse chapitre 39, nous allons lire le verset 2. The Lord was with Joseph, so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. L'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. The Lord was with Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Why? Pourquoi? He had chosen God. Parce qu'il avait choisi He Dieu. Has chosen the promises of God. Il avait choisi les promesses He de believed Dieu. God. Il croyait Dieu. He obeyed his father. Il obéissait à son père. It's on the way of obedience that he landed into trouble, trouble in Et c'est course. Sur le chemin de l'obéissance à son père qu'il a atterri dans les problèmes qu'il a eu, les problèmes entre guillemets. He went to look for his brothers where they were supposed to be. Son père l'avait envoyé chercher ses frères là où ils étaient censés être. When he got there, et quand il est arrivé, they were not there. Ils n'étaient pas là. He was wandering all over the place. Et il errait partout pour les chercher. Then he met a man. Il a rencontré un homme. Who told him? Qui lui a dit? I heard them say they were going to this other Je les place. Ai entendus dire qu'ils allaient à Dothan.
He continued. Il est allé. Where he was and where they were was about 60 kilometers. Là où il demandait, là où le monsieur l'a informé, et là où la ville, là où ils étaient, c'était environ une distance de 60 kilomètres. His father had sent him. Son père l'avait envoyé. Go and see and bring Va me word. Voir ce qu'il en est de tes frères et viens m'en informer. Most of us said, well, I went, I didn't see them, so I came back. Plusieurs des enfants auraient dit, bon, je suis allé là-bas, je ne les ai pas vus et je suis revenu. I obeyed. J'ai obéi, non. But did he bring back the word? Mais est-ce qu'il a apporté les nouvelles de ses frères? Is that the word Papa wanted? Est-ce que son père voulait juste entendre que il ne les a pas vus? He kept on. Il a continué à chercher until he found them. Jusqu'à ce qu'il les ait trouvés. And he landed into problems. Et c'est comme ça qu'il a atterri dans les problèmes. The Lord was with Joseph. L'Éternel fut avec so that he Joseph. Prospered and he lived in the house of his Egyptian master. De sorte que la prospérité l'accompagna dans la maison de son maître Verse 3. Égyptien. Verset 3. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Usually when the people are giving a report, when the provincial leaders, the meeting of the Cameroon leaders. Généralement, pendant la réunion des dirigeants, qu'est-ce que je veux dire? Pendant la réunion des dirigeants de notre ministère au Cameroun, merci. Des dirigeants de notre ministère au Cameroun. They don't only give an account. Ils ne donnent pas juste un compte rendu. They also give testimonies of the Lord's hand with them. Ils donnent aussi souvent des témoignages de la main de Dieu sur eux, sur leur œuvre. This was an unbeliever. Ça, c'était Potiphar était un non-croyant, n'est-ce pas? When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Can you imagine? Vous imaginez? We obey the Lord. Nous obéissons we au obey Seigneur. His teaching. Nous obéissons à the ses enseignements. And the son come and dwell with le us. Père et le Fils viennent habiter avec nous. They give us a house church. On nous donne une église de maison. Or we start a house church. Ou bien nous commençons une église de maison. It grows. Elle grandit. We start a group, on commence un groupe de proximité group for children. Pour enfants. It grows. Ça grandit. The children are converted. Les enfants sont convertis. They abide. Ils demeurent. I'm just giving two examples. Là, c'est deux exemples. The Lord was with him. Le Seigneur était avec lui. The Lord was with him. Le Seigneur était avec lui. Those who go out to evangelize, to preach the gospel. Excusez-moi. Ceux qui sortent évangéliser, prêcher l'évangile, invariably they come back with joy. Ils reviennent toujours avec joie. Why? Pourquoi? When they go there, quand ils y vont, they are obeying God no matter how they feel. Ils sont en train d'obéir à Dieu sans tenir compte de comment ils se sentent. Right? N'est-ce pas? Go and preach the gospel. Allez prêcher l'évangile. They go to preach. Ils vont prêcher. They always come back with a smile or ils reviennent testimony. Toujours avec un sourire ou un témoignage. Even if nobody believes, même si personne ne croit, they come back with a burden. Ils reviennent avec un fardeau. Why did these people not believe? Pourquoi ces gens n'ont-ils pas cru? And they pray. Et ils prient. And they find out that they cannot drop the people. Et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à laisser tomber ces gens. They'll go back again. Ils vont repartir là-bas. And they keep going. Et ils continuent à y aller. And they come back with the joy of et ils the Lord. Reviennent de là avec la joie du Seigneur. Why? Pourquoi? The Lord gives his presence to those who obey him. Le Seigneur donne sa présence à ceux qui lui obéissent. That's just a simple example. Ça, c'est juste un exemple simple. Who has experienced it? Qui a expérimenté cela? That you went to evangelize, not really feeling anything. C'est-à-dire, tu sors pour évangéliser, ne sentant vraiment rien de particulier. Okay. Tu pars juste platement. Those who have not experienced it, stand up. Et quand tu reviens avec joie. Those who have not experienced, si tu n'as pas encore expérimenté cela, that is, you went out to evangelize. C'est-à-dire, tu es sorti pour évangéliser. You came back crying. Tu es revenu en pleurant. You came back more depressed. Tu es revenu plus déprimé that you went. Que tu n'étais en allant. In the way of obedience, sur le chemin de l'obéissance, God gives his presence. Dieu donne sa but présence. What is beautiful here, mais ce qui est beau ici, everything he touched, c'est que tout prospered. Ce qu'il touchait, tout ce, everything he touched, prospered. Il faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. When God is with you, quand Dieu est avec toi, because you have bought him, parce que tu l'as acheté en quelque with sorte, obedience, avec you l'obéissance, buy from God with obedience. Oui, on achète Dieu, on achète Dieu en quelque you sorte, possess God avec by l'obéissance, obedience. On possède Dieu avec
par l'obéissance. He comes with you. Il vient avec toi. The Father, le Père, the Son, et le Fils. And of course the Holy Spirit. Et bien sûr le Saint-Esprit. And they make their dwelling with et ils font leur demeure you. Chez toi. You, as an individual, toi en tant qu'individu. The dwelling place of God. Le lieu, la demeure de and Dieu. You can bring your whole household to be the dwelling place of et tu God. Peux amener toute ta maisonnée à être la demeure de your Dieu. House, church, tu peux amener ton église de maison à être la demeure de Dieu. When God is with you, quand Dieu est avec toi. Who can what can the devil do? Qu'est-ce que le diable peut even te if faire? He comes, même s'il vient, your life doesn't depend on circumstances. Ta vie ne dépend, même si le diable t'approche, ta vie ne dépend pas des circonstances. Your life is determined by your obedience to the Lord. Ta vie est déterminée par ton obéissance à not Dieu. The circumstances pas, in which et pas par les circonstances de ta vie. Look at Joseph. Regardez Joseph. And then he found favor. Et puis il a trouvé faveur. Verset 20 et 21. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners are confined. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Verset 20, Genèse 39. Le maître de Joseph le mit dans la prison. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. 21. L'Éternel fut avec Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Amen. Verse 23. Verset 23. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. The leader of your locality. Le dirigeant de ta localité. Had no didn't bother about the children's ministry. Ne se souciait pas, ne s'intéressait pas because au ministère. Because he knows that God is with you. Ne s'intéressait pas au ministère aux enfants parce qu'il savait que non, Dieu était. Ne s'intéresse pas to the aspect the children's ministry you are carrying. Le dirigeant de ta localité ne s'intéresse pas au ministère aux enfants que tu portes parce qu'il sait que Dieu est avec toi. And that the children would prosper in your hands. Et que entre tes mains les enfants vont prospérer. The more God is with you. Que entre tes mains les enfants vont prospérer. Plus, the more God is with you, plus Dieu est avec toi, the more you'll be given responsibility. Plus on va te donner des responsabilités. Because they know parce qu'on sait that when you get there, que quand tu arrives là, things will happen. Les choses vont arriver. There les, are gens, others. Les choses vont marcher. Il y a d'autres. When you give them work, quand on leur donne du travail, whether it's spiritual or que manual, ce soit le travail spirituel ou, le travail, ou bien them. Le travail manuel, you have to run after them. Il faut courir après eux. Beg them. Il faut les supplier. Tell what ils vont venir wrong, te raconter comment telle chose n'a pas marché, comment telle autre n'a pas marché, blâmant tel. The Lord was with Moses. I mean with Joseph. L'Éternel était avec Joseph. He had obtained God's presence by his obedience. Il avait obtenu la présence de Dieu par son obéissance. He was a young boy. Il était un jeune garçon. He obeyed his parents. Il obéissait à ses parents. He suffered for it. Il a souffert à cause de ça. His circumstances were really horrible. Ses circonstances étaient vraiment horribles. He avoided sin. Il a évité le péché. And suffered for it. Et il a subi des conséquences. Il a été jeté en prison. On l'a. They spoke evil of him. On l'a dit du mal de lui. He became the laughing stock in the household. Il est devenu le sujet de moquerie dans la maison. But the Bible says, mais la Bible dit, the Lord was with him. L'Éternel était avec so lui. Said, if God were with me, why did He permit me to go to prison? If God were with me, why did He cause my brothers to sell me? If God were with me, whoa, blaming God. Il n'a pas dit, oh si Dieu est avec moi, pourquoi il a permis que mes frères me vendent? Si Dieu est avec moi, pourquoi il a permis que j'aille en prison? Oh, blâmant Dieu. Non, il ne l'a pas fait. It will lead to depression. Si tu te comportes comme ça, ça va te conduire dans la dépression. Et tu vas haïr Dieu. Et tu vas devenir un fardeau pour les enfants A, B, de Dieu. C, D, E, F, tu, vas, never yourself. Tu vas blâmer A, B, C, D, E, F. Tu vas blâmer tous les autres et jamais toi-même. You are the one who determines. C'est toi qui détermines. When you have God's presence, quand tu as la présence de Dieu, même si tout ce que tu as à manger, c'est un épi de maïs à griller au feu, et tu bois de l'eau, and drink water, et tu bois de l'eau, be satisfied and joyful. Tu seras satisfait et joyeux. Then, chapter in First Samuel,
On va aussi lire 1 Samuel. Verse 12, chapter. Oh, sorry. Chapter 18. Chapitre 18. Verse 12. Verset 12. 1 Samuel, chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18, verset 20. Saul was afraid of David because the Lord was with David, but had departed from Saul. 1 Samuel, chapitre 18, verset 20. 12. Verse 12. Pardon, c'est plutôt le verset 12, excusez-moi. Parce que je ne me retrouvais pas. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Yes, the Lord was with David. Oui, l'Éternel était avec David. When God is with a person, quand Dieu est avec une personne, be humble enough to recognize that God was with this person. Sois suffisamment humble pour reconnaître que Dieu est avec cette personne. Even if you are his leader, même si c'est toi qui es son dirigeant. Instead of trying to ignore the person or kill the person with your mouth or destroy his zeal. Au lieu d'essayer d'ignorer la personne ou bien lui parler de manière à la tuer physiquement, non, c'est-à-dire pour qu'elle soit abattue, pour décourager la personne. Instead of acknowledging that God is with this person. Au lieu de reconnaître que Dieu est avec cette personne. And see what you can learn. Et voir ce que tu peux apprendre. Or leave him alone. Ou alors tu le laisses tranquille. Or see how you can strengthen what the person is ou bien tu vois comment tu peux fortifier ce qu'il est en train de faire. Saul was afraid. Saül Why? Avait peur. Pourquoi? He was clinging to power, clinging to the position. Parce qu'il était en train de s'accrocher à la position administrative qu'il avait reçue. He had disobeyed. Il avait désobéi. God put him aside. Et Dieu l'a mis de côté. He never repented. Il ne s'est jamais repenti. He was attaching himself. Mais il s'accrochait au poste. So he saw somebody who was rising as a rival. Il voyait quelqu'un qui s'élevait comme un rival. He didn't see that. Il n'a pas vu. Of this person to help the God's purposes to move ahead. Il n'a pas vu que Dieu élevait cette personne pour faire avancer les desseins de Dieu. He saw that. Ah, il a vu. This person might want to take my place. Celui-ci risque de prendre mon poste. He might be the next. Et il risque d'être le prochain. So le prochain roi. He becomes a target. Donc il est devenu une cible pour lui. Verse 14. Verset 14. In everything he did, he had great success because the Lord was with him. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. L'anglais dit parce que l'Éternel était avec lui. Look at what he obtained. Regardez ce qu'il a obtenu. He was running, escaping. Il courait, il esquivait. But the Bible keeps saying. Mais la Bible ne cesse de dire. The Lord was with him. L'Éternel était avec David. He had obtained the presence of the Lord. Il avait obtenu la présence de Dieu. Not just because he was called David. Pas juste parce qu'il s'appelait David. Or because he was called Joseph. Ou bien parce que l'autre s'appelait Joseph. Obedience obtained for them the presence of God. C'est l'obéissance qui leur a acquis la présence de Dieu. Who can bless you with the presence of God as it's written in verse 22? Qui peut te bénir avec la présence de Dieu comme c'est écrit au verset 22? Let's read it again. Lisons encore. Jesus replied. Jésus répondit. Anyone who loves me would obey my teaching. Celui qui m'aime obéira à mes paroles. Yes, my teaching. Mes enseignements. My father will love them. Mon père l'aimera. And we will come to them. Et nous viendrons à lui. And make a home with them. Ferons notre demeure God chez will lui. God will be at home in you and in your ministry. Dieu sera chez lui, chez toi et dans ton ministère. That's donc chez toi, Dieu sera chez lui. Dans ton ministère, Dieu sera chez lui. The Lord gave his commands. Le Seigneur a donné ses commandements. And he taught. Et il a enseigné. So he who obeys my teaching. Il a dit celui qui obéit à mes For those enseignements. Who have received an abundance of teaching. À ceux qui ont reçu un des enseignements abondants. Like since the beginning of this course. Comme par exemple depuis le début de ce cours. We have received an abundance of teaching. Nous avons reçu une abondance d'enseignements. Through in the morning, que ce soit le matin, during when we are teaching, ou bien quand nous when enseignons, teaching, ou bien quand le frère te donne enseignement, quand la sœur Rose partage, quand la sœur Jeanne et son équipe ont partagé, quand la sœur Madeleine a partagé, même dans vos dortoirs, pendant que vous partagez, you have been taught. Vous avez été enseigné. Is that not true? N'est-ce pas?
You have learned from just seeing people do some things. Vous avez appris juste du fait d'avoir vu des gens faire des choses. The one who obeys the abundant teaching that God gives. Donc celui qui obéit à l'enseignement abondant que Dieu donne will have an abundant, a rich relationship with aura God. Une relation riche avec Dieu. He will carry God's presence. Il va porter la présence de Dieu. He will carry God's presence. Il va porter la présence de Dieu. All what the Lord has told us during these 6 days we are here. Tout ce que le Seigneur nous a dit pendant ces 6 jours que nous passons ici. There's nothing that has been impossible. Il n'y a rien qui a été impossible. Very simple. C'est très simple. So a specific knowledge of God. Donc une connaissance spécifique de Dieu. Of God the Father. De Dieu le Père. God the Holy Spirit. De Dieu le Saint-Esprit. The Lord Jesus Christ. Du Seigneur Jésus-Christ. Is obtained through obedience. Est obtenu au travers de l'obéissance. It's a school. C'est une école. You enter. Tu y entres. And you grow. Et tu grandis. And you renew your obedience day by day. Et tu renouvelles ton obéissance jour après jour. And you teach the children to obey. Et tu enseignes aux enfants because l'obéissance. That's the school in which you are. Parce que c'est la même école dans laquelle tu te and trouves. You know the blessings et tu connais les bénédictions que cette école t'a apportées. So you want to raise up the children to obey. Donc tu veux susciter, élever les enfants pour que, de manière à ce qu'eux aussi obéissent. We keep coming back to the fact that God expects of us 1 billion people who render to him total obedience. Nous revenons toujours sur le fait que ce que Dieu attend de nous, c'est 1 milliard de personnes qui lui rendent une obéissance totale en toutes choses. Not a good religious system that is more orderly than any other. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons un bon système religieux qui est plus ordonné que les autres, non. Could some people pray? Quelques personnes peuvent-elles prier? When we teach people to, when we teach children to obey. Quand on enseigne les enfants sur l'obéissance and get them to obey. Et on les amène à obéir, we are offering to them nous sommes en train de leur offrir a future with God. Un avenir avec Dieu. Joseph was all alone. Joseph était tout seul, with n'est-ce all pas? Those unbelievers. Avec tous ces non-croyants. But obedience granted him the presence of God. Mais l'obéissance lui a apporté la présence de Dieu not en just Égypte. The initial obedience, pas seulement son obéissance but initiale the obedience to keep à son père. An immoral, covetous wife. Mais l'obéissance qui l'a amené à éviter, à rejeter les offres de cette femme immorale et pleine de convoitise. And to suffer et à souffrir because of obedience. À cause de l'obéissance. God was with him. Dieu était avec lui. And everything that he was given to do, he was asked et to tout do. Ce qu'on lui a donné à entreprendre, the Bible says la Bible dit que cela a prospéré. Even David. Même David. If a person comes into your life, si une personne vient dans ta vie, he should make progress. Il faut qu'elle fasse du progrès. Because God is with you. Parce que Dieu est avec toi. All these children in this generation, they are following this, they are following that. You are the problem. Ne dis pas que ces enfants-ci de cette génération, ils suivent ceci, ils suivent cela. C'est when toi le problème de l'enfant. Up, we're like this, we're like this, we're quand like nous that. On grandissait, on était comme ci, on était comme ça, on était comme ça. Where is God? Où est alors Dieu? God was with him. Dieu était avec lui. And caused everything he did to prosper. Et il a fait prospérer tout ce qu'il entreprenait. If you want to pray, si tu veux prier, sens-toi libre. Seigneur, merci beaucoup pour ce matin encore. Seigneur, je viens sincèrement devant toi te demander pardon de ce que j'ai toujours eu à penser qu'on me donne toujours les choses dures. C'est moi qu'on choisit toujours pour faire ce qui est difficile. Seigneur, je ne comprenais pas pourquoi. Mais ce matin, Seigneur, j'ai compris. Oh Dieu, que c'est parce que la personne qui me donne les choses dures sait qu'entre mes mains, je vais décanter les situations. Et tu m'aides à les décanter. Seigneur, sois béni. Sois béni. Sois béni. Je proclame et je confesse que je serai toujours donc fier à être là où on va m'envoyer parce que je sais que c'est parce que je suis avec toi qu'on m'envoie là. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Only those standing up can pray now. Que seuls ceux qui sont déjà debout prient. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends de multiples actions de grâce. Seigneur, pour ton amour pour moi. Oh Seigneur, le fait Seigneur, de disposer de tout pour que je vienne à ce cours. Seigneur, parce que tu as vu mes multiples plaintes. Oh Seigneur, mes multiples cris à gauche, à droite. Oh Seigneur, ne sachant pas pourquoi.
Oh Seigneur, les gens qui sont sous ma direction, Seigneur, je souffre tellement après eux. Oh Seigneur, je vais chercher tel chez lui, je vais me plaindre que tel n'obéit pas. Seigneur, alors que moi-même, je suis le véritable problème. Oh Seigneur, merci infiniment. Merci infiniment, Seigneur. Seigneur, tes commandements ne sont pas difficiles. Seigneur, c'est nous-mêmes, c'est moi-même, Seigneur, le problème. Seigneur, si j'obéis à tes commandements, oh Seigneur, et je les enseigne aux enfants, Seigneur, je serai en train de leur assurer un bon avenir. Oh Seigneur, si j'enseigne, oh Seigneur, c'est que moi-même je suis en train d'obéir, oh Seigneur, à mes disciples, aux membres de mon assemblée, Seigneur, je serai en train, oh Seigneur, si j'obéis moi-même, je serai en train de les amener aussi à obéir. Seigneur, s'ils n'obéissent pas, c'est qu'il y a une faille dans ma vie. Seigneur, aie compassion de moi et amène-moi, oh Seigneur, à mettre en pratique, Seigneur, oh Dieu, tous ces exemples d'obéissance. Seigneur, que j'obéisse sans hésiter, que j'obéisse, oh Seigneur, sans murmurer. Seigneur, notre Dieu, pour que ceux qui sont sous moi obéissent également. Seigneur, merci infiniment pour ton amour pour moi. Merci beaucoup, Seigneur. Je m'engage à obéir, oh Seigneur, pour être aussi obéi, pour que ceux qui sont sous moi obéissent également. Oh Père, merci infiniment. Reçois tout l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour la promesse de ta présence. Seigneur, pour ceux qui gardent tes commandements, pour ceux qui obéissent, ce n'est pas juste la présence du Saint-Esprit, mais la présence du Père et du Fils également, Seigneur. Père, je te bénis, je te rends grâce. Et je prie que tu me pardonnes pour avoir souvent désobéi. Seigneur, ce matin, je dispose mon cœur à l'obéissance. J'engage mon cœur à l'obéissance. Seigneur, je dispose mon cœur à l'obéissance. Je renonce à toute forme de désobéissance, Seigneur Dieu. Père, je prie, oh Dieu, renonçant à la désobéissance et engageant à t'obéir, Seigneur Dieu. Seigneur, face à ta volonté, lorsqu'elle est connue. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Father, Lord, I want to thank you so much, oh Lord, for opening my eyes to see that you were not just with Joseph because he was Joseph. You were not with David because he was David. But we were with these two people because they had obeyed you. Father, Lord, thank you, oh Lord, for granting me to see that if I obey you, you will also be with me. Father, I pray, oh Lord, that I will obey you, oh Father, in all things and at